Je suis là pour travailler des immigrés et qui refusent de les payer. Si bonjour, bonjour, bonjour. L'étranger vous voyez, peut faire depuis le 20 juin, et refuser de les payer. La société tchèque a décidé de rompre le contrat des ouvriers du chantier sur la voie de Mali, frontière Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Eux, ils ont demandé à ce que les travailleurs viennent prendre leurs droits depuis le 5 du mois de juin. Les travailleurs sont venus. Ils sont arrivés le 5. Comment vous êtes là? Il va falloir que vous levez. Comment on appelle? L'employeur a refusé de payer leurs droits. Levez-vous. Hein. Levez-vous. Et il les a dit non d'aller sous prétexte que les calculs de l'inspection a été faux. Il refuse de payer. Donc, en se retournant à l'inspection, l'inspection a refait les calculs. Et aujourd'hui encore, les mêmes Chinois refusent encore de payer les salaires de ces gens. Vous voyez? Sous prétexte, et sur même cause que les calculs que l'inspecteur a refait encore faux. C'est pas bon. Ils vont retourner encore à l'inspection. Vous voyez? Les Ivoiriens. Même les Chinois quittent dans leur propre pays pour venir imposer les lois aux Ivoiriens. Donc c'est un peu ça. Donc je vous demande de partager l'image pour que les autorités même puissent voir ce qui se passe entièrement à Mignan. À Mignan. On travaille encore, c'est qui le droit, on doit nous donner encore. Non, pas du tout. Hein? Tu vois? Là-bas, c'est là. C'est qui ils ont donné à janvier. La fois passée là, ils n'ont qu'à enlever dedans. Le reste là, ils n'ont qu'à nous donner à partir. Et dit, il ne veut pas. Que là, là, c'est trop encore. Que ce qui était en Sahel là, c'est ça, il ne veut pas prendre en compte. Il voit des 30 000, 40 000 qui est ici là. Tu vois, non? Il ne veut pas qu'elle fasse ça là même. Quand l'inspecteur a calculé, il a trouvé combien là-bas? Il a trouvé 480 000 là-bas. Comme droit? Oui, comme droit. Il a enlevé maintenant, comme en décembre là, il a pris 150 000, il a enlevé dedans. Il a pris 81 000, il a enlevé dedans. Le reste, mon là encore là, il ne veut pas donner. Il reste combien à donner? Bon, il me reste 100, il me reste 200 000 quelque chose là-bas. Présente le papier, caché. Voici le cachet, vous voyez le logo de la côte de l'inspecteur. Ça, c'est quitté à l'inspection du travail d'Odiené. Vous voyez, et les Chinois refusent de payer. On va fermer. Il n'y a pas de problème. Les Chinois refusent toujours de payer. Vous voyez. Donc, je vous demande de partager pour que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent voir ce que les travailleurs. Il faut aller en direct encore mieux. Et puis docteur est là-bas, docteur est filmé là dedans. Bonjour. Vous voyez, depuis le 20 juin, la société tchèque a décidé de rompre le contrat des ouvriers du chantier sur la voie de
Mali, frontière Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Eux, ils ont demandé à ce que les travailleurs viennent prendre leurs droits depuis le 5 du mois de juin. Les travailleurs sont venus, sont arrivés le 5. Comment on appelle l'employeur a refusé de payer leurs droits. Et il les a dit non de, d'aller, que, sous prétexte que les calculs de l'inspection a été faux. Il refuse de payer. Donc, on s'est retourné à l'inspection. L'inspection a refait les calculs. Et aujourd'hui encore, les mêmes Chinois refusent encore de payer les salaires de ces gens. Vous voyez? Sous prétexte, sur même cause que les calculs que l'inspecteur a refait encore faux. C'est pas bon. Ils vont retourner encore à l'inspection. Vous voyez? Les Ivoiriens. Même les Chinois quittent dans leur propre pays pour venir imposer les lois aux Ivoiriens. Donc c'est un peu ça. Donc je vous demande de partager l'image pour que les autorités même puissent voir ce qui se passe entièrement à Mignan. À Mignan. On travaille encore, c'est qui dans le domaine de droit, on doit nous donner encore. Non, hein. Ce qui était en Sahel là, c'est ça qu'il ne veut pas prendre en compte. Il voit ces 30 000, 40 000 qui est ici là. Tu vois non? Il ne pas qu'elle fait ça là même. Quand l'inspecteur a calculé, il a trouvé combien là-bas? Il a trouvé 480 000 là-bas. Comme droit? Oui, comme droit. Il a enlevé maintenant, comme en décembre là, il a pris 150 000, il a enlevé dedans. Il a pris 81 000, il a enlevé dedans. Le reste, mon là encore là, il ne va pas donner. Il reste combien comme à donner? Bon, il me reste 100, il me reste 200 000 quelque chose là-bas. Présente le papier, vous cachez. Voici le cachet, vous voyez le logo de la Côte de l'Est. Ça, c'est qui t'a l'inspection du travail d'Odjene. Vous voyez, et les Chinois refusent de payer. Là, on va fermer. Il n'y a pas de problème. Les Chinois refusent toujours de payer. Vous voyez. Donc je vous demande de partager pour que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent voir ce que les travailleurs... Il faut aller en direct, c'est encore mieux.